Je vais dire à tout le monde, Matrix Sidor, qu'on téléphone intelligent avec eux. Attends, vous pensez que vous avez comme ça, qui a fait Delma 32, quand vous avez des gens qui sont entrés, qui ont tiré sur tout le monde qui a rejoint net dans la rue, et puis vous avez des gens dans Kaili, pendant la dans Kaili, et puis qui a envoyé des messages, je dis des messages à la PNH, peut-être que des gens qui sont connectés qui font, mais qui a envoyé des messages dans des groupes, parce qu'il y a des policiers qui sont dans le groupe, le directeur général PNH, et même après, il y a un numéro dans certains groupes. Donc, pas aucun monde qui a envoyé des messages sur le groupe, des messages, peut-être des secours dans le groupe. Donc, pour qui ça n'a pas gagné, il y a une intervention qui a été faite, pour qui ça n'a pas de bon bagage qui a été fait, parce que de toute manière, ce soir même, je m'a demandé est-ce que la police n'est pas au courant de ça qui est fait là. Comment pour nous noter tout, M. Excédent? C'est que le quartier de Delma 32, même si on entendait tout le pays avait explosé, ben, ça, en pile des autres, Delma 32, son côté, Delma 32, son côté qui est relativement stable. On doit passer dans Delma 32 janvier, on doit vivre Delma 32, c'est qu'on côté comme un massacre comme ça. Donc, la police nationale, j'aime toujours dire, elle a une fonction préventive. En aucun cas, il n'y a pas de prévoir, tu as bien un bagage comme ça. Donc, si tu as prévu un bagage comme ça, je pense que tu as bien un backup, tu as bon poste, tu as bon patrouille quelconque, et au niveau de Delma 32, pour empêcher. Et pour dissuader bandits, pour dissuader criminels. Mais on n'a pas de gagné, donc on essaie que la prochaine fois, la police nationale d'Haïti tâchera de remplir sa mission de prévention pour éviter le malheur qui désormais s'annonce, parce qu'il y a un pile malheur qui est annoncé, je vous le dis, sous Delma 32. Et puis, bon, l'autre bagaille qui est extrêmement important, et mettre l'excédor, je vous le dis, il faut que nous arrivions réorienter patrouillot pour faciliter une plus grande communication entre la police et le public. Ça, faut que nous devions faire. Faut que nous renforcer police de proximité hein, et fonctionner, c'est à plutôt faire d'un espace public, d'un espace utile pour monde capable, pour monde qui habite là-dedans, c'est-à-dire maçon, avocat, ingénieur, même pour monde qui a passé. C'est ça, faut que nous devions à renforcer police de proximité. Hein. Parce que ça arrive à la moi qui arrive n'importe côté, quel que soit bandit qui est en train d'en zone à tirer, même si la police est à proximité, il n'y a pas intervenir. Mais là, qui situation nous est, c'est ça qui fait un petit trait extra. L'insécurité en Haïti, on en a jusqu'au cou et l'a tout fait nous. Monsieur d'Haïti, et alors on parle de rôle de prévention de la PNH qui t'a supposé prochainement appliquer ou du moins et utiliser pour permettre que les gens d'action ça va pas répéter, mais y a un PNH qui sans un service d'intelligence qui a marché et un service d'intelligence j'en voulais dire à travers le monde, est-ce que nous avons et espérer que nous gagnions prévention et bon côté PNH là. Moi, je ne vais pas arriver jusque-là pour me dire, parce qu'on insiste sur les institutions. Moi-même, je dis ça. Les responsables de ce pays, même si on montre que tu es irresponsable, ce sont des responsables. Il y a une information. Vous, qui pour dire information, la police, il y a une pile d'information. À toi, bon, à 11h30, va les policiers qui, Delma 32, par contre, il y a un policier victime. Ses frères, un seul policier qui était sur le travail, quoi, en côté Delma, en face à CNH, pendant la preuve le prend balle. Quand même, on a une police de victime de la 32 frères. Il y a une information, ça, pour dire que par exemple, des policiers en dedans qui prennent un bail pour ça d'avoir le fait. Donc, ça qui passe, c'est ça qui fait d'après où pas gagner une mesure pour empêcher ça d'arriver. Mais dans ce pays, on se tait. Dans ce pays, on se tait. Pas dans rien qui dit que PNH n'est pas au courant de ça qui va arriver en frère. Capable de gagner un ou non, capable de gagner de petits bruits. Je vais dire, moi-même, c'est ça qui est important pour moi. C'est grave, les irresponsables. Oui. C'est les irresponsables. Il y a des séries de monde qui sont faites et pour qu'ils ne gagnent pas des dispositions. Parce que c'est ça l'idée. C'est la communication qui gagne entre population et police. Là. Faut dire en police de proximité. Ah, les dignes là sont agent 2, agent 4, et puis et population, il y a le commandant. On s'est avait dit les Haïtiens au commandant, l'aller au commandant le peur, et ça veut dire. L'aller au commandant le peur, frère. Nous venons au niveau tout et l'on parle les nègres, l'on parle le commandant, les sentiments l'ont diminué. Oui, l'on parle le commandant. Diminué. Bien, les sentiments diminué. Bon commandant, bon commandant est là, on y est là. Il y a plus passé 20 monde qui mourent pour le commandant de. Pour le commandant Yoté, je vais te dire, il faut gagner une plus grande communication entre la police
et la population pour travailler en fête. Parce que c'est extrêmement difficile. On a des groupes paramilitaires, qui sont extrêmement bons dans les amis, qui sont vraiment organisés. Et ils bien équipés tout. Et ils bien équipés, donc il ne faut pas jouer. Donc, il faut nous compter, et ça fait des bien les mains en déclaration. Et le directeur général de la santé fait à Léon Charles, pour qu'il a demandé pour la population à intervenir. Mais il faut que le directeur général de la santé facilite coopération, collaboration et communication entre public là et la PNH. Il faut le faire. Faut mettre dispositif ou ça, mécanisme en place pour ça, pour communication et pour faciliter communication entre la population et la PNH, parce que bagayo extrêmement raide. Quand on y est dans la radio là, on groupe intervenir, même si on patrouille, même si on backup, la police sous la radio va pas intervenir. Parce que son point fixe, un point fixe, c'est un point fixe. On pas quitter point fixe sans autorisation. Donc, n'importe qui bagaille qui arrive, n'importe qui les fait. En tout cas, dans tout pays, et Robinson, par exemple, ça qui a passé là, alors, dans le pays d'Haïti, et côté insécurité, côté gang armé, yo a multiplié et a montré de plus en plus fort. D'ailleurs, yo mette yo en association, yo montré yo puissant, yo fait des déclarations, yo manifesté à exam, yo fait tout ça au vle, et yo mandé révocation, yo jwenni, yo mandé nomination, yo jwenni. Et comment capable sorti nan sanye la Robinson d'Haïti? Mon cher, moi je pense que n'a privé sorti un jour, mais comment n'a sorti marron? Peut-être que faut nous arriver côté dans la trop pour nous et puis bon éclatement social. Côté bon soulèvement populaire frère pour nous renverser la vapeur, parce que je vous dis un bagala extrêmement grave frère. On pas compte pour qui ça on monte la carreau et on pas compte pour qui ça on monte la rue tout. Mais c'est ça le problème là. Donc vivre en Haïti est difficile. Et pas même difficile, mais vivre en Haïti est impossible, je vais vous dire. Moi, comment on fait vivre là, dans le pays ça? Parce que n'importe bagaille qui a arrivé, tout le monde a des âmes, tout le monde a des âmes, vous voulez. Et moi-même, je me fais appel et à mon qui est responsable, il y a un pile, j'aime dire. Et faut au moins, il fait usage de forces armées d'Haïti. On pensait que ce sont des militaires et nous, situation, et côté, c'est des groupes paramilitaire qui a agi, qui a créé des ordres, je dis, fuck, militaire, si grand nous gagnons, même si nous ne sommes pas capables de faire exactement ça, après nous faisons dans FADH. Donc c'est extrêmement important, fuck, aller vers une solution. Et puis il y a trop d'iniquité économique, disparité sociale dans le pays, il y a trop de problèmes dans le pays qui prêtent le flanc et à cette criminalité organisée. Même, par exemple, et pendant la semaine qui passe, là, on t'a parlé de l'élite économique. Dans les pays sérieux, frère, les gains, par exemple, y a un homme d'affaires qui a financé ou peut-être qui a sponsorisé un groupe de gang. Il n'a pas fait le photo tant de temps. Moi, j'ai essayé de homme d'affaires, je dis, qui prend et des chefs de gang comme des clients. C'est pas possible. À partir du moment où, dans les pays sérieux, à partir du moment où un homme d'affaires, un chef de gang comme, ou bien un gang comme, frère, c'est pas une première fois, deuxième fois, troisième fois, la péliminer quand même. Il parle comme blanc, c'est juste pour bien contrôler. Parce qu'il même faut qu'il vive, faut que le business y en prospère. Mais je vais dire, il prend ça pour une habitude. Mais ouais, pardon. En clientèle de gang armée pour soi-disant protéger les têtes. Pardon, Vince, sur ça, là, Robinson, et gonser des de PME, on sait des petits business là qui a fermé. Qui a fermé pour qui ça? C'est parce que il y a des gens qui ont rançonné toute la semaine journée, mandé au COB, bail aux pressions, bail moun et mettre business la pression, ou bien employé qui dans business, yo, on sait des petits pharmacies, et gagner petits business, n'importe ça lié, nèg la paraître, li vinn bon pression, sous pas payer ou pas arrêter. Donc, gagne des moun, on connaît qui gitan fermé business parce que pas capable et bay tête yo sécurité, pas gagner structure, pas gagner moyen pour yo bay tête yo sécurité, yo obligé fermer.
Oui, ils ont quitté ça même parce que, de toute manière, les chefs de gang n'existent que de ça. C'est rançonner après rançonner le monde, passer la business, rencontrer et demander qu'ils aient des paroles eux-mêmes. Donc, yeah. Ils viennent toucher et chaque mois ou bien chaque semaine, chaque samedi. Mais bah, ils ont fait tant que côté lui. Oui, go, go. On leur a passé, on chef d'entreprise qui demandait avec un autre monde pour le filer en enveloppe, non titre, dans le chef de gang. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? C'est la condition ça pour nous aider. Et là, où est-ce que ça crivé dans ma 32 ans? Faut que nous clés sur ça. Dans pile innocent, dans pile monde qui mourit là, je ne veux pas dire, vous avez sachez. Même temps, il y a pile déclarations qui fait, dans pile accusations qui fait, notamment RNDDH, et qui sortit là pour lui, qui dit tel bagaille, tel bagaille. Tant que. FJKL. Et on a parlé de premier ministre, par exemple, et Claude, Joseph. Claude Joseph, par exemple, qui est en ouais, qui est-ce qui est responsable, mais moi-même. Le DG de la PNH également. Le DG de la PNH aussi, hein. Donc, il y a ça chez les responsables, alors que eux-mêmes, ils sont des irresponsables. En tout cas, une question, n'est-ce pas que mon pression, pas plus tard que matin, hein, bon, amis, à vous raconter, mais que les amis qui ont restaurant dans la zone, mais chef zone exigeait pour restaurant rété, faut d'abord, chaque jour, il voit deux plats bali, mais tout, il faut les payer chaque mois. Donc, imaginez deux plats manger pendant un mois, il fait deux par 30, là, il va 60, c'est ça? Non, deux plats chaque jour, 30 jours. Deux plats chaque jour, à 30 dollars, ouais. Imaginez si on a fait manger chaque jour et l'obligé de retirer 60 plats dans le commerce. Là. En plus, chaque mois, il faut qu'il y ait une enveloppe. Pour le capable de rester dans la zone. Sans oublier bill que le gars pour payer. Un gros ami qui a une pharmacie là, sous Bois-Vena, dans la tout le monde là. Il y a des bandits, il y a des gens qui viennent faire aux menaces toute la Sainte-Journée, demander l'argent. Si vous n'avez pas payé l'argent, il y a fait ceci, il y a fait cela. Donc, c'est dans ça, nous, la côté pays, déjà, pas de travail, mais il y a des citoyens qui ont essayé. Ouvrir des petits business pour essayer, premièrement, chercher la vie, mais tout, by l'autre ami travail. Mais c'est à cause que nous avons une situation de bah, on est, de que, voilà, pas de monde qui gagne responsabilité, vrai. Responsabilité existe seulement sous papier, mais pas de monde qui assume. Et puis, il y a que les gens sont obligés à fermer le business. Pour finir, alors, monsieur d'Haïti, non-intervention, du moins, non-utilisation de la FADH par les autorités pour essayer de réguler ce qu'a fait là, question gang armée, est-ce qu'elle n'est pas due à question internationale, là, notamment les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas montré le favorable à la mise sur pied, ou du moins et à la remobilisation des FADH. Bon, il y a ça aussi. Il y a peut-être l'international. Parce comme si vous perdez conséquences. Ouais, justement, il y a peut-être ça. Moi, je voulais mesurer ça, m'a dit, il y a peut-être ça, parce que quand même, on va dépendre vraiment de tête, nous. Et ça, on a toujours dit à son souveraineté surveillée. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas fait usage de FADH, parce que